preview. En 30 jours. Oui, monsieur. Donc, ceux qui sont les plus forts en maths, hein, ils ont compris, dans 30 jours, c'est la reprise NBA. C'est la meilleure nouvelle du mois. Donc là, il y a un petit mois de preview. Exactement, on s'installe peinard, vous le savez, c'est la meilleure nouvelle de l'année, dans 30 jours, la NBA reprend ses droits. Et donc, classique de chez classique, série préférée, ton joueur préféré. Midi. Bam. Exactement. Bam. 30 previews en 30 jours. Chaque jour, sur les 30 prochains jours, avec Alex notamment, et avec Léonce, et avec Bibi. On va s'occuper d'une franchise chaque jour. Voilà, c'est ça. S'occuper de tout ça, ceux qui connaissent le classique, vous installez peinard. Plein de petites infos, évidemment, à vous donner. La première, c'est que, dispositif exceptionnel, évidemment, on sait que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sur YouTube, mais il y aura aussi des articles qui vont être balancés sur le site de Trash Talk. Bien sûr. Avec toute la rédaction. Preview global, preview TTFL, preview de salaire, calendrier, joueurs à suivre et compagnie. Focus sur, ouais, sur des copains de chaque franchise, donc ça sera très important, notamment pour ceux qui veulent compléter un peu leur journée. Voilà. Toujours sympa. Ceux qui ont du temps, quoi. Exactement. On peut vous dire aussi que non, ce n'est pas parce que les Cavs sont faits en premier qu'on considère que ça va être la pire franchise de la NBA la saison prochaine. Et non, c'est pas parce que Bastien a un t-shirt spécifique sur lui qu'on pense que ça va être ça la saison des Cavs. Je sais que ça va être sale. Peut-être que. Ça va être sale. Ça sera pas pour les mineurs. Et moi, mais... j'ai fait honneur. Hein. Ouais. T'as vu un peu? Bon, c'est un peu le même genre de t-shirt. Hein. Ouais, voilà. C'est un peu dans le même esprit en fait. On est dans le même esprit au niveau compétition. Non, mais évidemment, on a un ordre qu'on fait un peu au doigt mouillé, donc on garde les très très bons équipes. Il y a quand même de la... oui, du doigt mouillé précis, quoi, on va dire. Quoi. C'est ça. Mais du on garde les précisions. C'est ça. On garde les meilleures équipes pour la fin, mais donc non, ce n'est pas un ordre précis. Vous inquiétez pas. Ça veut pas dire que les Cavs vont être à chier. On verra. Commence pas sur les trolls. Et évidemment, la dernière grosse info, c'est les rubriques. Pour ceux qui connaissent le classique, vous pouvez déjà vous mouiller la nuque et peinard et faire tout ce que vous avez l'habitude de faire à midi, en train de bouffer. Mais on commence tout de suite par le coup d'œil dans le... dans le rétro. Ça veut dire qu'on regarde un peu ce qui s'est passé la saison précédente. La saison dernière, tout ça, on en reparle, on se remet en tête ce qui s'est passé, dans quelles conditions les Cavs sont arrivés dans leur été. Exactement, on le fera pour chaque franchise, tout à fait. Tout ça. Et après, on fait le marché de l'été, voilà, où là, on regarde un petit peu les arrivées, les départs, les prolongations, bref, les transferts, ouais, ce qui s'est passé entre la fin de saison et l'arrivée de la saison. Comme ça, t'enchaînes directement sur le 5 majeur, là, t'es en tactico-technique. Exactement, on se prend tous pour des entraîneurs hyper bons, hashtag Vincent Collet, voilà, et on va se permettre de dire c'est quoi le 5 majeur, les rotations, comment ça se passe. Et grosse après, question. Une fois que c'est fait, on passe aux choses sérieuses. Grosse question de la mort, la question de la muerte. Voilà, celle-là. On s'est penché un petit peu, pour chaque franchise, on a une grosse question sur laquelle on va se pencher, on veut bien vos avis, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à chaque fois à dire « Ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord, et votre question c'est de la merde. » Ouais, voilà, c'est ça, merci. Ce genre de choses. Trophée du peuple. Voilà, le trophée, le Gérard d'or, l'incontournable trophée. La section préférée des gens, on focus, on zoom sur un joueur en particulier. Il y a des équipes dans lesquelles il y a plus ou moins de Gérard. C'est ça. Hein, c'est, et il y en a où c'est la surpopulace. Toutes les équipes ne sont pas à égalité devant Gérard. La Gérarderie ne concerne pas tout le monde. Non. Malheureusement. Mais bon. Mais il y a toujours un copain qu'on va suivre. Évidemment, vous êtes tous à chaque fois à suivre les franchises et les joueurs en particulier. Et après, on termine. Le pronostico. Avec le pronostico. Le fameux. Exactement. L'incontournable aussi, hein, comme Gérard, c'est incontournable. Incontournable, gros classique de classique, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, et on donne le pronostic sur la saison à venir, petite sur la saison régulière. Il y a des petites nouveautés dans le pronostico, mais bon, ça ouais, voilà, deux, trois petites surprises, on va faire tout ça. On est bon? Allez. Ah, je suis trop content. Allez, c'est la parti. Meilleure période de l'année, Léon, s'il le sait. Carnet. Ouf. Gérard d'or. Le petit carnet sur le genou avec toutes les petites notes. C'est ça qui est bon, impeccable. On a tout préparé. Et oui, donc c'est parti à partir de maintenant. On est avec vous jusqu'au 22 octobre. On commence avec nos amis les Cavs. On démarre avec l'équipe championne en 2016, pour ceux qui s'en souviennent pas. Voilà, l'équipe championne en 2016 qui, dans la foulée, a perdu LeBron James. C'est ça, donc coup d'œil dans le... rétro. Rétro. Alors, saison rétro de merde. De la saison 18-19, hein, parce qu'après la ça. Saison 2016, enfin voilà. 19 victoires pour 63 défaites. Ouais. Une bonne ouais. saison de merde. Alors évidemment, comme tu le disais à l'instant... La saison post-LeBron, ouais, c'est-à-dire post-LeBron, champion 2016. Ouais. 2016-2017, tu vas en finale avec LeBron. 2017-2018, tu retournes en finale hein, ouais. avec LeBron. On se souvient de cette finale. Hein. Merci Gérard. Voilà. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu fous. Et... LeBron s'en va vers d'autres cieux. C'est ça, de juillet, fin de l'idylle entre LeBron et les Cavs, donc, il va à Los Angeles. C'est clair que dans le coup d'œil dans le rétro, tu es obligé de parler de ça, c'est-à-dire bien que sûr. Bah voilà, les mecs sortent d'une saison où ils viennent de perdre LeBron James. Le meilleur joueur de leur histoire, un des meilleurs joueurs de tous les temps terminé. On peut dire ce qu'on veut, mais ça s'est quand même vu. Hein. Ouais, ça s'est vu un peu. Ça s'est vu. Alors après, dans la saison au global, quand on la regarde la saison des Cavs, ce qui est hyper intéressant, c'est que
On l'aborde, on se dit, bon, on a vu la prolongation de Kevin Love, on s'était dit, genre, qu'est-ce que ça va donner? Et les trois premières semaines, c'est un cauchemar parce qu'il y a Tyron Lue qui se fait virer. Ouais, direct, bam bam. Tout de suite, merci, ouais. Au revoir. Les vétérans qui clashent, du Colin Sexton notamment, genre. Oui. L'accueil était bizarre pour le rookie. L'accueil un peu zarbe. Ouais. Et là, gros nettoyage, merci Larry Drew qui est sur les sites d'intérimaire, enfin bon, c'est l'assistant coach, il prend la suite et ça va être une saison cataclysmique pour Cleveland. Kevin Love blessé quasiment toute la saison, enfin j'exagère un peu, mais il a pas joué beaucoup. Clairement ça, ouais, il a joué l'automne, il fallait protéger le pic de draft qui était top 10. Exactement. Le rookie Sexton qui petit à petit a quand même montré des choses intéressantes. Bien sûr, hyper intéressante comme saison. Le Turc Shedi Osman, pas inintéressant du tout non plus dans son aile. Voilà, mais enfin, c'est de la bricole. Le GM Coby Altman, il fait ce qu'il peut, il fait de son mieux. Bien sûr. Non, mais c'était la transi qui est violente. Tu finis la saison avec 19 wins. Bien sûr. Hein, t'es pas dernier de l'Est. Non. Parce qu'il y a une team qui a fait moins bien. Mais enfin, bon, 19 wins, quoi, ça va pas chier loin. 19 wins. Alors après, pour ceux qui s'en souviennent dans les détails, comme tu disais, la Colin Sexton, ça s'est très bien passé pour lui parce que c'était intéressant. Alors, il a du plomb dans le crâne. Hein. Montée en puissance tout au long de la saison. Je suis d'accord. Il a impressionné du monde. On a le dernier match de Channing Frye, notamment avec l'ovation de la Quicken Loans Arena. Brandon Knight qui débarque un peu, Marquise Chris qui est venu faire ses piges aussi et se taper avec Serge Ibaka. C'est ça. Et des plans à 7 pour Tristan Thompson. Oui. Parce qu'on parle, et c'est ça qui est fou avec ce coup d'œil en rétro quand on refait la saison des Cavs dernière, c'est que, ok, tu prépares les transitions post-LeBron, mais les mecs qui sont étiquetés 2016, Kevin Love joue à peine, Gérard RTT depuis le 25 décembre, Tristan en plan A7 et Channing Frye en semi-retraite. C'est vrai, c'était vraiment dur pour ceux qui ont vécu le sacre d'il y a 3 ans. Quoi. C'est vrai. Tu te pointes à la loterie. Dure saison compliquée pour les joueurs, ouais. Pour le management, pour les fans, enfin côté Cleveland. Ça a été dur. T'es content de Colin Sexton, mais tu te pointes à la loterie. Bon, tu te fais ken comme beaucoup de monde par les Lakers et les Pelicans. C'est comme ça, c'est la vida. Hein. Pic numéro 5. Ah, tu te fais avoir, mais bon, du coup, tu recules un peu, tu te prends le pic numéro 5 et tu prends monsieur Darius, dont on va peut-être parler aussi dans une autre section. Bah, on va parler tout de suite. Hein, c'est ça. Donc, ça, c'est le coup d'un rétro. Mais ce qui vient après le coup d'un rétro, c'est le marché de l'été. Et ben, on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Allez, tac. Le magnifique tableau made by Léon, c'est le premier de ses 30 privés en 30 jours et donc on le voit arriver dès par prolongation. Ben, les anciens, hein. Ben, Gérard, Channing Frye, Cameron Payne, c'est pas un ancien mais il dégage quand même. C'est ça. Nwaba, David, le test aura été de courte durée. Nick Stauskas. Ah ben, ça aussi, Marquise Chris, il est venu, il a poster Jarrett Allen. Marquise Chris. Bien sûr. Mais dans tes arrivées, tu as dit, ok, bon, on a eu un peu de flair avec Colin Sexton, on a bien aimé développer Cedi Osman, on va prendre 3 rookies sur les 35 premiers picks. C'est parti, on y va, allons-y gaiement. Darius Garland en 5. Surprenant le soir de la draft. Ah, ça, on le sentait venir petit à petit, que ça Darius Garland a resté haut, mais ce qui est surprenant, c'est de voir Cleveland le prendre. C'est ça. Parce qu'on va certainement en parler plus en profondeur quand on va faire le 5 majeur. C'est vrai que comme ça, naturellement, sa complémentarité avec Colin Sexton va quand même falloir qu'on m'explique. C'est ça, on va en parler. Vous inquiétez pas, parce qu'il y en a dans les commentaires. Alex, laisse-moi t'expliquer. Il y en a qui vont m'expliquer, je sais. Mais on va expliquer en long en large dans le 5 majeur, tout à fait. Hein, tu as après récupéré un bon sniper, Dylan Windler, un shooter. C'est ça. Et après, Kevin Porter Jr. Et Kevin Porter Jr. qui est cette espèce de wild card un petit peu de cette draft où le talent est indéniable, l'attitude, point d'interrogation, mais... Et le mec a été quand même attendu beaucoup plus haut dans quasiment toutes les mock drafts et il a fini en 30, hein, c'est le pick 30, hein, il c'est me ça, semble. C'est ça. Donc ça, on peut considérer qu'au niveau des arrivées, bon, bah, c'est que des rookies, mais c'est pas inintéressant par rapport au projet. C'est ça. Si tant est qu'il y en ait un bien défini, ce qui n'est peut-être pas le cas encore, mais par rapport à ce que veut faire Cleveland et donner la chance aux jeunes et tout ça, parce qu'il y a quand même aussi une autre recrue. L'arrivée dont on n'a pas parlé, quand évidemment. Même. Monsieur le coach. Le coach a changé. John Beilein. Comment tu dis? Beilein. Moi, je dis Beilein, mais bon. Qui nous vient tout de suite de NCAA, du côté de Michigan. Qui sera donc un newbie, dans le bon sens du terme, en NBA, dans le sens où il est rookie. C'est la première fois qu'il est head coach d'une franchise NBA. Par contre, le basket, il n'a pas commencé hier. Ouais, et les jeunes... Il les connaît parce que Michigan, il en a connu du gamin qui voulait essayer de réussir en NBA. Et là, quand on lui dit projet de reconstruction, frère, tu passes après Tyron Lue, Larry Drew et on va te donner des gamins, let's go. Il a dit oui. Let's go, il a fait son staff, c'est pas mal. Donc, c'est peut-être un petit peu le,
le mec le plus intéressant à suivre de la saison à venir, là, côté Cleveland. Ah oui, d'accord. Le coach. Oui, côté Cleveland, parce que je... Oui, oui, non, côté Cavs. Je commence à stresser quand tu disais ça. Non, non, là, on est sur les Cavs, vous inquiétez pas, c'est une franchise par jour. Mais ouais, non, Bilan qui va être hyper intéressant à regarder parce que... Ouais, on va voir ce qu'il fait. Quel type de jeu, quel type d'ambiance aussi. Enfin, je veux dire, les Cavs, depuis compo, des années, en termes de rotation, coaching. Quelle rotation, qu'est-ce que... Oui, oui, il y a ça. Plein de choses. Donc ça, c'est peut-être lui la grosse recrue. C'est ça. Donc, un coach et trois rookies. Le point d'interrogation, ça, on en parlera par la suite, c'est notamment le nettoyage qui a été entrepris. On a vu Kyrie, LeBron partir, Gérard. Est-ce que ça ne va pas continuer, ça ? Est-ce que du Tristan, du Kevin Love, etc., est-ce que ça va est-ce continuer ? Est-ce qu'il y aura des trades en cours de saison ? C'est ça. Ça sera peut-être une question dont on... qu'on posera par la peut-être, suite. Peut-être. Mais dans tous les cas, maintenant qu'on a vu un petit peu ce tableau complet et qui est très clairement synonyme d'une reconstruction, on va devoir mettre tout ça sur un parquet. Allez, c'est parti. On est chaud. Technique. Ouais. C'est l'heure de parler du 5 majeur. Le 5 majeur. 5 joueurs, un Alex. Meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Tu mets tout ça sur le terrain et tout va bien. Alex, il a repris les bons réflexes, ouais. Hein, il tend la main et il nous fait les 5 postes. Ouais. Et oui, on va devoir mettre 5 joueurs sur le terrain, donc on prend tout l'effectif. Vous pouvez le faire aussi, nous donner vos avis, parce que évidemment, un mois avant le début de la saison, tout le monde se prend pour le coach de la franchise et se dit « Mais moi, je mettrais lui en arrière titulaire, en meneur. » On prend les bons réflexes, comme à chaque fois. Qui a-t-il en verrou sur le 5 majeur des Cavs direct ? Poste 4 et 5. Kevin Love ? Et pas que. Tristan Thompson, non ? Je sais pas si t'es d'accord, mais que tant que Tristan Thompson et Kevin Love sont là, ce sont les titulaires des Cavs. Tristan Thompson, à voir. Il peut potentiellement se faire fumer sa place, hein. Tout à fait. Ante Zizic, Nance Junior. Oui. Tu crois pas ? Je suis pas sûr, je veux bien voir comment joue Bellein en fait. Ça se trouve, Bellein dans sa tête, le 5 c'est Kevin Love aussi. Hein. Tout à fait. Et là, par contre, Tristan Thompson en 4, faut y aller doucement. Non, c'est sûr. Allez, mais tout à fait. Tu vois, donc je. Bien sûr, voilà. Sûr. Et Tristan qui a fait une saison correcte l'année dernière quand il n'était pas en train de faire des folies avec son corps, il était là en tant que vétéran à faire les poubelles. Si on est dans un cadre de potentiel transfert, il faut que sa valeur elle soit haute. Donc peut-être que tu as envie de faire jouer. Non, tu as envie de le faire jouer. Maintenant, est-ce que tu mets titulaire c'est comment ça. Tu joues et tout c'est pour moi, le vrai intérieur titulaire sûr. C'est Love. Ouais, c'est du Haussmann. C'est du Haussmann, lock. Titulaire en 3. Colin Sexton, lock. Colin Sexton, titulaire. Alors, j'ai une question à te poser. En 1 ou en 2 ? En 2. Parce que tu ne draftes pas un joueur top 5 de la draft pour le mettre en sortie de banc. Donc, pour moi, tu pars sur une attraction. Darius Garland, Colin Sexton. Donc, l'attraction d'un mètre 60, là. On va en parler tout de suite, mais juste par rapport aux 5 majeurs. Je demande, hein, tout à fait. Je partirais personnellement sur Darius Garland, Colin Sexton, Cedric Haussmann, Kevin Love, Tristan Thompson. Après, si tu as une option, tu enlèverais Tristan Thompson, tu mettrais qui ? Love en 5 et tu mets qui en 4 ? Non. Moi, personnellement, je jouerais avec du Love Tristan. Là, j'essaie de me mettre dans la peau de Bellein. Par contre. Moi, j'aime beaucoup cette traction. Hein. Je demande à voir sur la longueur si tu fais vraiment une saison entière avec Garland Sexton en back courte. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que incontestablement, c'est une paire de joueurs qui sont tous les deux plutôt des meneurs, donc que tu vas mettre côte à côte. Donc, déjà deux jeunes comme ça qui vont devoir cohabiter, voir ce que ça donne d'un point de vue qui tient la balle, tout ça, ouais. tout ça. Les deux ont des qualités. Je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais les deux, c'est quand même rapide, c'est bon dribbleur et ça aime scorer. Oui. Je dis pas, les deux sont capables de faire des passes, attention. Tout à fait. Mais je veux dire, t'as pas non plus un mec qui a l'air d'avoir un gros profil de gestionnaire là-dedans. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui peut le devenir. Garland l'est beaucoup plus. Clairement. Garland l'est beaucoup mais plus. Mais il arrive, quoi. Bien sûr, c'est un rookie. Tu peux pas demander au rookie de dire t'es le gestionnaire, tout t'es à le patron, fait. Vas-y, c'est bon, le mais tempo, disons c'est que, tout à fait, mais disons que Sexton a ce côté très agressif, pénétration, provocation de lancer. Darius Garland est un sniper. Qui fait de la passe. Ouais. Les deux sont des mobilettes. Hein. Balle en main, ça envoie. Donc ça peut être complémentaire. Le vrai truc, en fait, c'est que moi, perso, j'aurais très envie que l'un des deux soit sixième homme, Garland ou Sexton. Sauf que quand je me suis commencé à me dire ça, je me suis dit, ok, mais c'est bien, mais en fait, tu mets qui en parce deux du coup ? Personne c'est qui ton titu ? Parce que j'ai revu. C'est Jordan Clarkson ? Mais j'ai revu la prévue de l'année dernière et on était là, Jordan Clarkson titulaire, et c'est un nom. Sous toute Kevin type. Porter Jr. peut éventuellement ouais, dans mais... le cours de la saison ouais. En fonction de ce qu'il est vraiment. Ah, Kevin Porter Jr. Il est tombé dans la draft à cause de son caractère qui a l'air compliqué à gérer ou d'autres choses qu'on sait pas. Ça se trouve Bellein, lui, il va te le gérer nickel et le mec au bout de 20 matchs c'est un titulaire en deux. Tout à fait. Surtout dans une équipe comme Cleveland qui, on va pas se mentir, c'est pas spoiler le pronostic de dire ça, les mecs visent pas les 50 wins hein. Tu vois, ça, c'est sûr. Non, mais donc mais, du coup, tout à fait. Allons-y quoi. Mais en tout cas, si on regarde vraiment les gars qui vont être titulaires,
Je pense quand même que Jordan Clarkson titulaire dans n'importe quelle compétition américaine, c'est non. C'est compliqué. C'est non, c'est anticonstitutionnel le bordel. Donc ça, c'est mort. Après, t'as Dele Vedova. Non, 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 ça paraît, ça va Brandon être du backup. Knight. Backup. Si Brandon Knight, il est encore vivant. Windler, t'es d'accord avec moi, c'est le remplaçant d'Osman hein, sur le poste 3, plus ou moins. C'est sûr hein. Et certain. Moi, je t'avoue que je suis très intéressé et intrigué par cette traction à l'arrière parce que j'ai l'impression que les Cavs ont vu notamment ce qui s'est passé. C'est un cas isolé, mais avec ce que Portland fait avec McCollum et Lillard. Ouais, et d'une autre, ouais. Et c'est d'autres clients, juste je termine Alex là-dessus, c'est oui, que oui. Il y a de plus en plus de franchises qui se disent « Ok, on veut des ball handlers et des créateurs oui. Et des mecs lourds sur non, les... » Mais d'autres franchises le font, tu as raison. Exactement. Tout à fait, en fait, attends, j'ai sorti Lillard McCollum, mais il y a d'autres parce franchises... Parce que Lillard McCollum, c'est vraiment l'exemple tout en haut du panier, quoi. C'est si tout en haut, ainsi, mais quoi. Par rapport à ce qu'on disait, de profil plutôt type meneur et pas non plus un vrai meneur avec un vrai arrière, comme on peut le voir Chris ailleurs. Paul Harden. Chris Paul Harden l'a vu aussi. Chris Paul Harden, mine de rien, t'as deux mecs qui aiment bien avoir la balle en bien main. Sûr, bien sûr, bien sûr. Après, Harden est quand même un vrai deux. Il a un corps de deux. Bien sûr. Tu vois. Non, bien sûr. Parce bien que sûr. Après, je sais, c'est pas, je suis pas en train de vendre la défense d'Harden, mais mine de rien, je suis désolé, mais quand tu as Garland Sexton, putain, il y a quand même un paquet d'équipes en NBA qui vont te ramener un arrière qui fait 10 cm de plus que tes guards, quoi. Et c'est emmerdant. Et qui va galérer à défendre sur lui, quand même. Qui va. Ouais, je pense que ça va plus galérer de l'autre côté. Je pense. Le talent offensif est indéniable des deux. Hein. Ah non, indéniable. Garland, et bah, de toute façon, on va parler des cases après. Défensivement, on n'a pas parlé sur le coup de dans le rétro, mais c'est l'équipe qui a eu le pire différentiel de toute la millénaire. On a vu ce qu'on est en train de dire. Là, ça va être des valises de points hein, dans la bouche. Non, hein, non, je vois pas comment. À moins que Bellin soit un génie de la défense, hein, mais là, je vois pas non, comment il va faire. Avec l'autre, le personnel que t'as. Tiens, c'est chaud. Hein. De quantité, on est à peu près d'accord. Et en rotation en sortie de banc, tu files les clés du Camtar à Jordan Clarkson. Oui, ou de temps en temps, t'auras Garland qui sortira, mais Sexton qui restera sur le ouais. Terrain. Tu vois, de genre de choses, tu peux jouer bien aussi sûr. Comme ça. Mais Clarkson était pas mal par séquence avec Larry Nance. Ouais, et ouais, donc carrément. Ça peut se marrer un peu. Ouais, et puis t'as Porter Junior, du coup, comment tu l'utilises. Voilà. Et donc Windler, le rookie qui s'est shooté. C'est ça. À voir ce qu'il amène lui aussi. Bien hein. Sûr. Et évidemment, ça, on en parle pour le 22-23 octobre. Parce que la saison, elle, du côté de Cleveland, elle va se prolonger. Et le 5 majeur que t'as projeté en septembre, bah c'est pas le même après la trade deadline, par exemple. Évidemment. Et alors, non seulement parce qu'il y a potentiellement des joueurs à trader, mais en plus, comme tu as beaucoup de jeunes comme ça, même si t'es un coach, tu fais ton training camp et tout, t'as forcément de l'incertitude, comme on l'a dit là, tu vois. Là, j'émettais l'hypothèse Kevin Porter Jr. Ça se trouve, Dylan Windler, il va mettre tout le monde d'accord, et comme c'est un sniper de ouf, il va bien jouer sûr. Deux. Tu vois, je. Bien sûr. Bah, de tu vois, façon... genre, comme ils sont jeunes, tu peux pas savoir encore. Là. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est simple. Moi, je suis bien placé pour le savoir. C'est un exemple, et on le verra dans une autre preview. Mais Atlanta, nous, on savait pas. On a cru que Kevin Werther, il allait faire de la G League. En décembre, il est titulaire. Voilà, exactement. Pour des questions de training camp et de talent et de. Complètement. Donc, ça se trouve, les 5 vont beaucoup avancer. S'entend bien avec sûr. Qui et tout quoi. Donc ça se trouve les quintettes vont pas mal évoluer. On part en tout cas sur un quintet Kevin Love, Tristan Thompson, Cedi Osman, Darius Garland, Colin Sexton. Allons-y. Avec ça tu croises les doigts. Voilà. On va voir ce que ça donne. Évidemment on a une grosse question sur laquelle on va devoir se poser parce que il y en a plein sur la saison à venir pour chaque franchise mais nous on s'est dit attends quand même qu'est-ce qui peut intéresser pas mal de monde et sur laquelle on va débattre. Est-ce que t'es chaud? Allez c'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. Exactement, avec la magnifique incrustation made by Léonce. Comme vous le savez, on va vous troller jusqu'au 22 octobre. C'est parti. Classic from the classic shit. Ouais. Question de la mort des Cavs pour la quelle saison est-elle à venir. Quelle est-elle cette belle question? C'est la suivante. Est-ce que nous aurons droit à une saison pleine de love dans l'Ohio? On s'explique. Monsieur Kevin Love, quand on regarde tout le sujet. LeBron part en juillet 2018. Kevin Love est prolongé un mois après. Mm-hmm. Sur un gros contrat. Un beau paquet. Un beau paquet, mm-hmm. On lui met, genre là, actuellement, il lui reste 120 millions garantis. Ouais. Il y a encore 3 saisons plus celle-là à 30 millions. Ouais. T'es Kevin Love. Il y a le joueur d'un côté qui a gagné le titre, qui joue les playoffs et qui voit une reconstruction qui arrive. Lui, je crois, au niveau de sa com, il a pas non plus dit. Oh, fait non, chier, non, il a été discret. Il a été plutôt il discret. A été discret. Et en même temps, côté Cleveland, tu tournes une page, t'avais déjà changé de management, t'as changé de coach. Est-ce que Kevin Love ne serait pas dans une saison où il peut être transféré? Ah bah si, clairement, il peut. Il a 31 ans. Il a quand même montré par le passé qu'il pouvait se blesser. Kevin Love, des saisons avec 82 matchs, ces derniers temps, je veux bien chercher quoi. Il a montré aussi qu'il pouvait foutre 18 points en dormant avec 10 rebonds. Ah, et en dormant, parce que en dormant. Quand Kevin Love joue, c'est un All-Star. Indiscutable, de mon point de vue. Et qu'avec la qualité de vitesse et de faire des différences, des petits Garland, Sexton, je veux bien voir Porter Junior aussi dans ce genre de rôle et tout, mm-hmm.
Kevin Love, des spots de shoot à 3 points où les intérieurs adverses, ils se font pas chier à les chercher, mm-hmm. il va en avoir. Bien sûr. Donc Kevin Love qui score et Kevin Love qui prend des rebonds, moi je vois pas pourquoi, sauf s'il se blesse évidemment, mais sinon dans cette équipe-là, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Mm-hmm. À partir de là, tu pars le 22 octobre, t'arrives vers Noël, ça fait 2 mois, Kevin Love est pas blessé, il est en 20-10. Il est dans les votes de tout le monde pour le All-Star Game et tout ça. Et avec un alors que Cleveland gagne pas un match. Bien sûr. Là, t'es Kobe Altman. Tu fais. Ah, tu passes des coups. Alors, bien les gars. Sûr. Alors, qui veut Kevin Love? Bien parce sûr. Que là, auquel contrat est gros? Mais finalement. Non, mais c'est un point positif. Parce que des joueurs que tu proposes sur le marché du contrat, mais dont le contrat est expirant, ça fait plus bader de gens qu'un Kevin Love qui, oui. quand il est sur le parquet, a montré que c'était un All-Star. Tout à fait. Et en plus, le contrat, il est gros. Mais aujourd'hui, avec le salary cap qui n'arrête pas d'augmenter et le nombre de mecs qui gagnent autant que Kevin Love et qui peuvent difficilement dire qu'ils sont All-Star et qui ont un contrat où il n'y a plus qu'un an, où il y a plus qu'un an ou deux dedans. Ouais, c'est pas des bons coéquipiers. Ces mecs-là, ils peuvent être proposés à Cleveland avec un petit pic de draft ou avec je ne sais quel jeune à développer ou quoi. Et là, Cleveland peut faire « Ouais, ok, allons-y, je gagne 2 ans sur Kevin Love, tu vois, j'améliore ma flexibilité, je ramène un pic de draft ou un jeune potentiel, je ne sais quoi, et j'y vais dans ma reconstruction. » Parce que de toute façon, autant Kevin Love, c'est un All-Star, autant il peut foutre 18 ou 20 points en dormant. Mais tu reconstruis pas que autour de Kevin Love. Non, il faut travailler les assets. Bien sûr, et je pense que de toute façon, la question s'était posée l'année dernière en sortie de prolongation. On se disait, est-ce que c'est une Blake Griffin? On avait vu les Clippers prolonger Blake Griffin possible. Et il l'avait transféré au bout de 6 mois. Est-ce que les Cavs ont fait ça en se disant, ça peut être un bon truc à transférer d'ici un an et demi, en fait. Moi, je serais pas étonné que Kevin Love soit transféré maintenant. Quel genre d'équipe pourrait être intéressée? Oh, il y aura des clients. Il y aura des clients, mais si on devait se projeter, tu vois, par exemple, parce qu'on peut déjà en crosser certaines de la liste. Enfin, on peut se permettre. Je sais pas, moi, à Portland, on regardera ça de très près, c'est sûr. Ils ont de la cam à filer. Hein. Ils ont des contrats, des jeunes, ils ont de la cam à filer, tu vois. Donc, ils regarderont de près, Portland. Ça, c'est sûr et certain. En fait, c'est ces équipes qui ont déjà... Utah, tu regardes ça tellement près. Alors, il y a des équipes qui peuvent avoir notamment ce... il nous manque un gros joueur pour devenir candidat à un titre. Tout à fait. Et il y a les équipes, j'ai une superstar, si elle n'a pas de bras droit tout de suite à venir, elle va partir. Elle va pas retourner aux Wolves tout de suite quand même. Non, je partais pas là-dessus, forcément. Non, je sais pas, ton exemple m'a fait penser à Karl Anthony Towns. Non, bien sûr, mais est-ce que... Après, évidemment, son contrat il est particulier et je pense qu'ils sont déjà embourbés avec certains contrats. Mais moi, j'aimerais bien voir si Boston se positionne là-dessus. Ah, je m'attendais pas à celui-là. Ok. Ouais. Okay. Tu pensais que j'allais dire qui? Houston. Non. Mais si. Ils sont capables. Ah ouais. Ils sont capables. Ils sont capables de tout. Daryl Morey est capable de tout. Non mais ce que je veux dire par là, on le voit bien. Ah mais ils sont. Miami peut regarder ça. Mais Miami peut regarder aussi, tu vois, pas mal ce genre de gars, des franchises dont les managers sont très bons et veulent c'est un All-Star. Je te dis, si Kevin Love il démarre la saison sans se blesser, au niveau du Kevin Love qu'on connaît, c'est-à-dire la défense coussi coussa, mais par contre de l'autre côté du terrain, ça bûche, ça prend du rebond, ça bûche, 26, ça se bat, 10. Ça rentre des 3. Oh, 26 c'est beaucoup. Une équipe où il y a deux gamins qui gèrent la main, croque, il peut avoir les... ça croque, hein. ça shoot. Hein, non, mais ça va croquer bien sûr, mais c'est juste que quand Kevin Love peut jouer vraiment. Oh, du 20-10 là, du 20-10 bien solide, tu vois. Après, Kobe Altman, s'il fait comprendre qu'il y a moyen de moyenner, c'est sûr il va avoir des propositions. C'est sûr il va en avoir. J'en doute même pas une seconde, il va avoir des propositions. Voilà. Je fais la liste un peu. C'est-à-dire Houston, Indiana, Miami, Minnesota, j'y crois pas trop parce qu'il vient de là-bas. Portland, c'est sûr, ils regardent. Enfin, les Lakers, non, pitié. Non, enfin, je sais pas. Après, Miami, c'est clair. Miami, c'est sûr, ils regardent. Portland, c'est sûr, ils regardent. Yo, qui, je pense pas. Non, System Bud. Oh là San Antonio, tu regardes? Ouais, tu regardes toujours, mais tu regardes quand même, vite fait, d'un œil, quoi. Ouais, ça va. Tu mets un petit œil pour voir, quoi, ce qui se dit, quoi. Hein? Indiana. Il y a des franchises qui vont. Indiana, tu peux regarder ça. Ah bah si tu mets Kevin Love avec Oladipo et Miles Turner, bien sûr, mais après il faut donner en échange. Donc, pas Boyan parce que bah non, parce que on fera bien la preview, mais TJ Warren ou je sais pas quoi, enfin bref, on bricole. Il reste ses 30 millions par année avec encore vraiment 3 années garanties minimum et où Kevin Love peut être transférable, donc on va surveiller en effet la santé. Et il est encore en âge de performer. Et en âge de performer, 31 ans, ça va. Il a un jeu en plus, ok, la santé il n'a pas blesse, été de ce côté, mais, il a un jeu qui va durer jusqu'à 38, ah, ouais, c'est clair. Après, la question que moi je peux rajouter à celle-là, c'est Tristan Kevin Love qui part en premier. Bravo Kevin Love, je pense.
Ah ouais. Ah ouais, je pense. Ah, Tristan. Tu penses que le dernier larron de la team de 2016, ce sera Tristan Thompson? C'est possible, hein, parce que je pense que si Kevin Love démarre bien sa saison, Kobe Altman, il va tout de suite le mettre sur la liste des transferts et c'est beaucoup plus facile à trader. Tristan. Dernière année de contrat. Oui, mais. Dernière année de contrat. Ouais, mais du coup, c'est Cleveland qui va devoir donner. Alors qu'avec le trade de Kevin Love, là, tu demandes des assets. Ah, tu rends en reconstruction. Hein, ouais. Dernière année de contrat, tu peux aussi le garder et dire c'est pas grave, je m'en fous, je libère j'ai le salaire dans que un an. C'est plus transférable, Tristan Thompson, oh, bizarrement. Et... s'il y a quand même 120 millions garantis. Ouais, mais alors là, pour le coup, je veux bien que tu me sortes les équipes qui vont se mettre dessus. Tristan, oh, arrête, il y a plein qu'on de. Du cap et tout. Parce qu'il va falloir du cap. Ou alors tu donnes un joueur du même valeur de contrat. 18 millions. Il faut donner un joueur de même valeur de contrat, du coup. Je te dis, c'est pas si simple. Un peu. Ça me dérange pas. En tout cas, je trouve que Tristan a plus montré l'année dernière en jouant toute la saison et en montrant qu'il peut faire du double-double et bien défendre qu'il peut être transférable. Il y a 18 millions la saison là avec Tristan Thompson, je crois, sa dernière saison contractuelle. Moi, je vois pas les contenders venir dessus. Ah ouais. Allez-y. Bah non, parce qu'il faut mettre le salaire. Tu lâches quoi comme joueur? Comment tu fais en fait? Tu un donnes tour. Quoi Contender, par définition, ils n'ont pas de place dans le cap. Non, bien sûr, mais bon. Tu vois? Bah oui, mais donc du coup, voilà. À Toronto, ils viennent aller chercher Marc Gasol. Toronto, ils sont allés chercher Marc Gasol. Mais enfin, si tu compares Marc Gasol et Tristan Thompson, t'es un enfoiré. Non, on parle de contrat, Alex. Me fais pas dire ce que là, tu me fais une entourloupe, j'aime pas ça. On a dit, on parlait de contrat. Marco, il valait 25 millions, ils ont donné 25 millions d'échanges, ils l'ont acheté Valanciunas. Oui, mais ils ont pris un pur joueur, quoi. Non, mais bien sûr, mais juste, tu me dis des contenders. Je parle pas de Tristan en tant que pivot titulaire d'une franchise qui va mener jusqu'au titre. Voilà, alors je que Marco, mec... c'est le cas, lui. Il était pivot titulaire. Bien lui. Sûr, mais Tristan peut aider. Franchement, il a gagné le titre déjà. Mais... un mec de 2016 qui a gagné le titre, qui peut défendre, qui joue au poste 5, qui défend bien son poste. Dans ce cas-là, je crois plus à un buyout alors. Waouh, ah ouais bah, je vois pas un contender prendre Tristan pour 18 patates, quoi. Il nettoie à fond, là, en tout cas, Altman et Gilbert. Ils sont en train de nettoyer. Ils ont fait ok, vas-y, LeBron, Kyrie, Gérard. Tu vois, ils ont déjà, avec Gérard, ils ont déjà réglé ça. Ils vont pas faire trop non plus dans tous les sens, des buyouts et tout, sérieux. Des buyouts, la terre entière, merde. En tout cas, dites-nous, qui vous voyez entre déjà, est-ce que Kevin Love, question de la mort, fait une saison complète à Cleveland? Sinon, où est-ce que vous le voyez partir? Et entre Tristan Thompson et Kevin Love, lequel des derniers larrons sera de la team de 2016 sera encore là à Cleveland à la fin de l'année, quoi? Ouais. Ça va être tendu. Mais nous, on va devoir enchaîner. Allez. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? The Gerard. C'est ça, cette trophée du peuple? The Gerard. C'est l'heure du Gerard d'or! Le Gerard d'or, le Gérard d'or! Oh le Alex qui va nous faire le premier backflip de la saison! Et c'est propre! C'est border, mais ça passe. Ça passe. On n'est pas chaud encore. Eh non! On rappelle le concept du Gérard d'or. Il est 1h du matin, on est à la Quick and Loans Arena et je profite de ce moment quand même pour dire RIP monsieur Fred McLeod qui nous a quitté quand même, le commentateur. C'est moche. Légendaire des Cavs, l'homme qui a été derrière tous les commentaires du titre de 2016, etc. Une c'est du pur commentateur. Ouais, ouais. Non, franchement. Franchement, c'est dur. Moi, quand j'ai eu la news, j'étais dévasté, putain. Ah ouais. C'est des mecs qui t'accompagnent pendant toute. Enfin, ah non, franchement, rien que pour ça, tu regardes Cleveland, c'est trop bien. Franchement, c'était parfait avec Austin Carr. Donc... bref, il est 1h du matin. On est à la Quick and Loans Arena et donc on va s'intéresser à un joueur en particulier dans l'effectif. Vous avez le droit de nous dire le vôtre. Alex, tu vas partir sur qui cette saison? Chedi Osman, l'ailier turc. Le Jedi. Qui sort d'un mondial un peu frustrant, je pense, pour lui. Hein, c'est comment les lancers francs, Alex, voilà, de voilà, Chedi voilà, Osman. Voilà, voilà. Donc lui, s'il avait mis ses lancers, bah, il aurait battu les États-Unis en poule. Hein, mais c'est bon, pas... malheureusement, il n'a pas mis ses lancers. Et c'est lui qui fait faute aussi hein, sur Tatum pour permettre aux Américains de mettre des lancers et d'aller en prolongation. C'est pas De La Vedova. C'est pas De La Vedova aussi qui a choqué au lancer sur le mondial. Les Cavs, ils sont bien non, au lancer au niveau des mecs qui choquent. Je crois que c'est possible. Ok, donc oui, monsieur Chedi Osman. En tout cas, Chedi Osman, parce que là, il va être dans une configuration où on en parlait tout à l'heure au moment du 5 majeur. Chedi Osman, pour moi, il va être titulaire au poste 3, ouais. sauf si Dylan Windler ou Kevin Porter Jr. sortent des trucs de ouf d'entrée, mais sinon, a priori, il va être titulaire au ouais, poste 3. Polyvalent, et puis il est aimé par les fans. Il va avoir du vrai temps de jeu, il va avoir deux meneurs, on l'a précisé, pas très grands autour de lui et tout, donc il y a quand même de fortes chances que dès qu'il y a un gros arrière, voire des fois des gros meneurs, ça soit Bibi Chedi qui se les coltine. Mm-hmm. Donc, des deux côtés du terrain, il va avoir vraiment l'opportunité sur une saison complète, qui est sa troisième en NBA, si je ne dis pas de bêtises, de nous montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire en attaque, des shoots, de la polyvalence, un peu de création, se battre au rebond, bien défendre, courir sur les transitions pour suivre tes deux dragsters de ouf et tout.
Donc, c'est mon Gérard d'or parce que quand je vais regarder Cleveland jouer, c'est clair. Je vais regarder Sexton, Garland, comment ça fonctionne. Mais c'est sûr, je vais toujours avoir un œil sur... Ok, Shady Osman, qu'est-ce qu'il a fait de ses 34 minutes ce soir, quoi, bien sûr. En gros. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc non, Shady Osman, c'est mon Gérard. Et puis ce qui peut être intéressant, évidemment avec son profil, c'est que Cleveland est en transition, c'est quoi le plafond de Shady en fait? Bah voilà, bah cette année, on va peut-être avoir... On va peut-être avoir plus de précision sur ça, quoi. Est-ce que c'est Trevor Ariza ou est-ce qu'en fait ça peut être mieux, quoi? Voilà. Je grossis, évidemment que c'est pas Trevor Ariza, mais c'est juste dans ce genre de profil, est-ce que c'est juste un 3D un peu excitant ou est-ce qu'il peut être bon, quoi? Est-ce qu'il peut créer balle en main? C'est ça. Est-ce qu'il peut vraiment rentrer des tirs? Je suis d'accord. Est-ce qu'un de ces quatre, on va le voir se faire offrir quelques ballons au poste quand le défenseur est plus petit? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, je pars sur monsieur Darius Garland. C'est... Bon, Draxler, c'est sûr. Lui, c'est sûr, c'est lui qui va me faire cliquer. Déjà, parce qu'en termes d'excitation de jeu balle en main, on a vu, malheureusement, la saison NCAA a été un peu écourtée pour lui l'année dernière. Ah bah, mais un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup, tout à fait. Mais avant qu'il débarque là-dessus, il était projeté très haut, très bon. Il cochait toutes les cases. Moi, ce que j'attends beaucoup, c'est... Sur le terrain, évidemment, excitation. Oui, il est là. Non, rien, je cherche la déco, un truc, mais c'est pas grave, t'inquiète. Monsieur Darius, évidemment, je l'attends parce qu'il va être hyper excitant. Je pense que beaucoup de gens vont être impressionnés par le handle de ce garçon et par le shoot. Vitesse, pardon. Il y a un côté hyper excitant avec lui, en fait, où il a un culot, enfin voilà. Et la personnalité. C'est-à-dire que c'est un gamin qui est souriant, intelligent, culotté. Quand vous avez la possibilité d'aller voir quelques interviews, allez-y, foncez, parce que je pense que ça peut vite devenir la nouvelle mascotte des Cavs, la darling un petit peu à qui tous les journaleux vont le voir et disent genre ouais, « Darius Garland, génial, exceptionnel », même dans les matchs moyens. Donc voilà, t'es meneur, t'es attendu. Il y avait eu de la hype parce qu'on pensait peut-être que les Lakers allaient garder le pick et prendre Darius Garland. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont commencé à faire « Ah ouais, nous on le veut ». J'attends les matchs contre Ja Morant. J'attends les matchs contre les autres gros meneurs, que ce soit de l'Est comme de l'Ouest. Trae Young et autres, évidemment. Kyrie. Kemba. Évidemment. Kyle Lowry. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, tous ces gros tests. Et parce que c'est tellement difficile, en fait, d'être meneur rookie en NBA. C'est un poste qui est très compliqué. Il a un coach qui a peut-être 7 fois son âge. Donc, franchement, ça va être. Non, mais franchement, je veux dire, désolé, mais John Beilein, voilà. Je dis juste que pour le coup, un jeune qui arrive dans cette espèce de franchise en transition où il faut quelque chose d'excitant de nouveau, un nouveau visage post-LeBron, sans que ce soit le prochain LeBron, évidemment, c'est pas ça, mais. Regardez, s'il vous plaît, Darius Garland le plus vite et le plus tôt possible. Et je pense surtout le plus vite possible parce que ça va aller très très vite. Ouais. Avec monsieur DG. Ok. Voilà. Cool. C'est on bon va Gérard, terminer ça. Avec une bonne petite section, je crois. Allez, c'est parti. Après les pronostico. Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. The pronostic. Vous le connaissez, gros classique, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Petite nouveauté cette année. Trash Talk a step up dans le game. Exactement. Unibet a notamment vu qu'on était des gros cracks, des as du pronostic. Ah, des tueurs quoi, des tueurs, hein, donc ils ont pas pu résister. Ah là là, tous les gens qui ont vu le jumbo là. Voilà, c'est ça. 2% de réussite, mais en tout cas, on a quand même réussi à avoir, notamment pour cette année, avec ce petit pronostic, ils vont nous suivre, ce sera notamment sur leur Instagram. Ils ont pas pu s'empêcher, ils ont vu ça, ils ont dit, attends, faut qu'on participe à la rubrique pronostic, quoi, normal quoi. D'ailleurs. Ouais. T'as pas un petit pronostic à nous balancer? Sachez que chez Unibet. Qu'est-ce que tu nous as dégoté, Alex? Ils estiment que les Cavs ont une cote pour le titre, donc déjà ça c'est voilà. Donc déjà en termes de troll, on est totalement sur le même ton. Et cette cote est à 501. À 501? Ouais, 501, tout rond. Hein. Donc 1 euro égale 501 euros, enfin égale, voilà. Hein, vous m'avez compris. Soit vous avez compris, des centimes hein. À lâcher et allez-y, les 4 champions à 500. Voilà, c'est ça. Soit vous êtes complètement givré. 501. Et... Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas gagné. Hein. Donc évidemment, au fur et à mesure, on pourra vous balancer aussi ces petits pronostics, c'est toujours sympa. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais, c'est parti. 24 secondes, tu es prêt? Ouais. Pour mettre ton pronostic, vous pouvez le faire aussi. 3, 2, 1, Bob sur 1. Bah moi, je vois plus de wins que l'année dernière. Hey, l'année dernière 19, cette saison, je leur en mets 21. Mm-hmm. Je pense pas plus parce que ça va prendre des valises de points. Mm-hmm. Je pense que le Sexton Garland, ça va pas être si simple à mettre en route. Ça va prendre un peu de temps. Je pense par contre que Kevin Love va se faire trader aussi. Mm-hmm. Donc à un moment donné, ça va ralentir au niveau victoire Cleveland. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et donc par contre, ils sont pas derniers de l'Est avec 21 wins. Hein. Ils sont 14e. Magnifique. Ah, t'étais pas mal. T'étais presque dans le chrono. Mais c'est la reprise. Allez, c'est la reprise. Dis donc, on s'échauffe. Bien sûr. Je vais y arriver à mes 48 secondes.
Vous connaissez l'objectif, c'est qu'Alex il fasse ses 24 secondes et surtout 48 sur les Suns. Allez, je vais essayer de le faire. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Les 4, je crois que j'ai donné 24 victoires. Il y en a un peu plus pour le simple fait qu'à partir du moment où Kevin Love peut jouer au basketball, ça va gagner plus de matchs. Donc je vais leur donner ça. Très intéressant, comme je l'ai dit, à suivre le coach et sa relation avec le meneur rookie Darius Garland. Je suis assez intéressé par tout ça. On n'oublie pas les Cavs, top 10, pick protégé de draft, sinon ça va à New Orleans. Donc désolé, il faut qu'on tanque. 24 victoires. Ok, ok. Voilà du coup pour le petit pronostic. Dites-nous aussi ce que vous voyez pour cette saison à venir des Cavs. Et classique de chez classique, Alex, pour la preview demain, t'as un petit indice? Ouais, Dingo, t'as un autre.